J'ai de très beaux yeux, hein. Bonjour. Bah pourquoi il me regarde? Ah, faut que j'ouvre, il y a encore quelqu'un qui a pété. Elle veut quoi celle-là? Clin d'œil. Oh, j'adore regarder les gens tomber. Je suis moche et maintenant je suis trop belle. Warrior. Et dessin. Ouh. Chut. Non, ça se mange pas comme ça. C'est bon, j'ai une envie pressante. La boisson, yes. J'ai une boisson gratuite. Oh, oh. J'aime pas trop. Il est sérieux. Cours, il va te frapper. Oh, je vais le défoncer. Laure, t'as dit quoi? Oh, arrêtez de vous battre pour moi. C'est moi qui vais choisir. Je crois pas, les filles adorent les bad boys. Lequel vais-je choisir? True Beauty, maintenant disponible sur Netflix. Je veux un petit copain. Oh, un homme super sexy devant moi. Arrête de pleurer et viens avec moi. D'accord. J'ai mal à me relever, je suis trop lourde. Oh, sa main est super douce. Oh, je vais toucher des belles fesses. Oh, touche pas mes fesses. Non, mais y a pas à réagir comme ça. Moi, je voulais juste tâter la marchandise. Et puis, tu donnes trop envie. Voilà, c'est mon rêve, quoi. Bon, dans ce cas, t'as juste le droit de monter sur mon dos. Oh, trop bien. Il sent bon en plus. Oh, putain, elle est lourde. Moi, j'ai quoi? Merci beaucoup. T'auras le droit de rentrer dans ma chambre quand mes parents seront pas là en train de faire de pudding. Mais pourquoi tu fais de l'ASMR? Je trouve que ça fait beaucoup plus sensuel, hein. Ça te donne pas envie de moi quand je te chuchote dans l'oreille. Sauf que je déteste l'ASMR. Waouh, il est tellement beau. C'est peut-être un ange. Wow. Et hoppa. Oh, 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 putain, c'est un doigt ou un mur. Il y a la trace de ma grosse face. Oh, mais comment j'enlève ça à moi? Tu viens de m'appeler Opa? Faut effacer sans toucher. Je suis pas ton Opa. Ouais, mais je veux que tu sois mon Opa. Non, j'ai pas envie. Allez, s'il te plaît. En plus, je sais trop bien faire la cuisine. Tu sais faire quoi comme plat? Eh ben, des pâtes, du McDo, et puis aussi... C'est de la merde. Au revoir. Quoi? Non, mais il aime pas les pâtes ou le McDo, je comprends pas. Pourtant, c'est super bon. Oh, mais pleure pas. S'il aime pas les pâtes et McDo, c'est que ça veut dire que c'est un homme difficile et donc il te mérite pas. Tu vois, Sohu et Sojun, ils veulent arriver au-dessus du triangle et ils arrêtent pas de se battre pour savoir qui est le plus beau du lycée. Oh, regardez, c'est lui. Oh, il est trop sexy. Oh là là, c'est chute du Niagara dans ma culotte ou comme dit Jungkook, champagne confetti. Oh. Et ouais, je sais, je suis beaucoup trop beau. Tout le monde adore les bad boys. On adore les mauvais garçons, ceux qui sont pas très gentils, qui sont vilains. On est tout émoustillés. Oh oui, mouille-toi. Oh, c'est vanné. Alors, vous êtes pour quelle team? Suho, le gentil garçon mystérieux, ou Sojun, le bad boy? Dites-moi ça dans les commentaires. Eh, hey, Suho, je vois que tu as pris une chocolatine. Non, mais il a cru qu'on était dans le sud ou quoi? On dit pain au chocolat. Putain, je vois le genre, il aime pas les chocolatines. Bah, dans ce cas, prends ça. Tu viens du sud-ouest? Eh ouais. Là où on dit chocolatine. Oh, il dit oh chocolatine, il est en terrain ennemi là, il va se faire défoncer. Je suis pas content. Et toi, tu dis chocolatine ici là? Eh ouais. Tu veux mourir ou quoi? Hein? Si tu veux dire chocolatine, alors retourne dans ton sud-ouest. J'aime la chocolatine. Il aurait pas dû dire ça. Qu'est-ce que tu veux, tête de chausson? Et toi, tête de TN? Eh mais, c'est pas très gentil, ça. Bon, les garçons, arrêtez de vous battre pour moi, parce que je suis très jolie, mais les insultes, non, on n'en veut pas, c'est pas bien. Oh, mais... J'ai tourné. Oh, connasse. J'ai pas vu. Que de la water. Moi, pas boire. Je connais pas l'alcool. Oula, attention, tu vas tomber. Ah, oh, mais putain, c'est la sœur à qui ça? Elle m'a mis un coup de boule, elle s'est pris pour Zidane. Allez, viens là, toi. Et toi aussi, comme ça, je vais lui en faire deux d'un coup. Ah, mais c'est une grosse débile. Attends, fais-moi voir ses yeux. Ah, mais oui, elle a des yeux de pute. Arrête, lâche mes hommes. Oh là, non, tu chopes pas sur moi. Oh non. Oh, mais. Et mademoiselle? Oui? T'as du PQ dans les fesses! Oh, crotte! Zizi! Oh, c'est tout mon long, il est long, oui, c'est. Hé, c'est ta traînée de mariée? Arrête de te moquer! Ok, ok, je me la ferme. Hé, attrape la balle! Je m'attrape! Wow,
ça fait des séances de pudding dans les couloirs. Mais pousse-toi. Aïe, pudding. Oh, moi la tête. Ça fait mal. Pourquoi tu m'as rattrapé, hein? Fallait me laisser tomber. Je voulais te sauver. Mais j'avais pas envie, moi. Je préfère m'éclater la tête par terre que plutôt que tu me montes dessus. Allez, salut les losers. Hé, mais moi loser, moi loser. Eh non, c'est toi le loser. Salut, je m'appelle Peppa Pig et je suis un bon petit saucisson. Peppa Pig. C'était Peppa Pig? Voilà, il faudrait que j'arrête de regarder trop Peppa Pig, moi. Et j'ai trop envie de saucisson maintenant. Oui, c'est trop bon, jambon. Oh, mais qu'est-ce que ça sent, ça? Attendez, je vais mettre mes lunettes, je suis miap. Et... Ah, mais ça schlingue! Qui est-ce qui a mis cette grosse cochonne ici? Comme tu sors avec notre fille, il faut absolument que tu te protèges quand vous allez faire une séance de pudding. Oui. J'ai pas envie d'être grand-mère. Je suis encore jeune. Bien sûr. C'est bon, on va pas parler de ça à table, ça me dégoûte. Oh, mais c'est qu'elle est timide, la petite. Si vous avez besoin de conseils de séance de pudding, j'ai même un livre qui parle de toutes sortes de puddings qu'il peut y avoir. Non, merci. Alors, qui est-ce qui veut résoudre le super problème de mathématiques? Oh non, pas moi, je me cache. Je suis pas là. Personne, alors je vais devoir choisir au hasard. Oh non, pitié, pas moi. Faut pas la regarder dans les yeux. Je choisis Jukyong. Oh non, pas moi. Ah, ouf, elle m'a pas choisi. Oh non, je suis trop nulle en maths. 1 plus 1, 11, non? Suo, c'est quoi la réponse? J'arrive pas. Je suis nulle en maths. Oui, bah j'avais remarqué. Je comprends rien, il y a beaucoup trop de chiffres. Coucou, je vois que tu as du mal. Est-ce que tu as déjà appris à faire une addition? Bien sûr, quand on paye dans les restaurants. Oh! Je vois qu'on se moque de sa camarade. Oh, je sommeille. Dans ce cas-là, va au tableau. Oh putain, fais chier. Coucou! Ah mon dieu, un garçon! C'est un garçon, oh là là! Salut, bébé! T'es qui toi en fait? Personne! Oh, c'est personne! Eh, hey, tiens, je te donne ma balle! Allez, s'il te plaît, prends-la! J'en veux pas de ta balle dégueulasse! Non, prends-la! Voilà, et comme ça, maintenant tu l'as dans tes mains! Ok! Et j'espère que tu penseras à moi quand tu verras ma balle! Super technique de drague, il est trop fou! Mais j'ai pas envie de penser à toi, je te trouve pas beau du tout! Hein? Quoi? Je suis moche pour toi, c'est ça? Bah oui! Oh bah dans ce cas-là, je préfère sauter par la fenêtre! Allez, salut! Écoute! Qu'est-ce que tu veux, tocard? Oh, c'est pas insulté! Quoi? je sais ce que tu caches! Oh, il sait ce qu'elle cache! Et donc, je cache quoi, petite crotte? Quelque chose! Oh merde! Voilà! J'ai peut-être un petit peu volé tes clés! Hein. Merci, mais c'est pas ça! Je sais que tu as du saucisson. Oh mon dieu, craché dessus. Oh, elle est dégueu. Attends, t'as craché. Elle m'a craché dessus. Et alors, j'adore Peppa Pig. D'accord. Mais wesh! Mais roule-moi vite, hein! T'as failli m'écraser! Monsieur, ça va? L'Oréal, parce que je le vaux bien. Oh, bah tiens, cadeau! Oh, merci! Oh, mais il est passé où? Mais où est-ce qu'il est? Je me ne demande. Oh! Et ouais, je suis là! Ah oui! Oh, regarde là-bas! Tu me rises? Non, pas du tout! Je te retrouve! Hop là, viens là à toi. T'allais tomber. Oui, amoureuse de toi. Bon, je me casse. Putain, je la kiffe, cette meuf. Hé, hey, toi, viens là. T'as vu? Je te plaque au mur. J'avais pas fait gaffe. Oh, mais c'est comme dans les K-dramas. Exactement. Mais bah, ça fait des papillons dans le ventre quand... On se fait plaquer contre un mur par un beau gosse comme toi. Ah ouais, je sais que je suis beau gosse. Ah, mais c'est qui?
C'est mon crush, je suis pas maquillée. Faut vite que je me cache. Ah bah tiens, de la boue. On a plein de boue sur le visage. Ma fille est juste ici. Ah, non, je suis pas là. Coucou, c'est moi. Jukyung, t'as cassé ma table avec tes grosses fesses. Je t'ai dit de m'en manger. Jukyung, salut, tu me trouves jolie comme ça? Alors, mon petit Sojun, t'as bien y avoir plein de filles qui sont à tes pieds. Ouais, elle m'a dit qu'elle voulait faire une séance de pudding. Oh, mais Jukyung, c'est pas de ton âge. Ah, mais sois pas trop sévère avec ta fille. C'est normal, mon fils est trop bégé. Il m'a plaqué au mur, comme dans les K-dramas. Mais dis-toi, dis... Tout ça pour me séduire. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Non, mais tu t'es pris pour un donjon ou quoi? Bah ouais, je suis un donjon, moi, j'y peux rien. Wow, wow, hey, Jukyung, regarde. Oh, mais... Non mais, espèce de débile, je suis là. Faut le faire quand je suis pas là. Et en plus, c'est comme ça que tu dragues. Avec ton caleçon Tarzan, tu crois que c'est sexy, ça? Et ouais. Je suis trop sexy. Et ouais, je suis trop sexy. Moi, j'adore les caleçons Tarzan. Je kiffe trop ça. Je vais t'appeler Tarzan. Quoi? Et pour ton caleçon léopard. Hey, tu m'appelles pas comme ça, c'est nul comme surnom. La la la, je rentre sans frapper. Oh my god. Oh non, pas encore. Salut, je suis là. C'est privé. En fait, je suis un petit peu voyeuse. Oh, mais c'était fermé. Ah, cette porte que j'ai crochetée. Hey, touche-moi encore le téton. Oh, bien sûr, et toi, casse-toi. D'accord, je me casse, j'aurais bien voulu voir encore un petit peu, moi. Rigole pas, ça fait mal. Et si je l'embrasse, elle rigolera plus. Oh, il est sur le point de m'embrasser. Attends, je fais la technique où je m'allonge, comme ça il va se coucher sur moi. Oula, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis un pervers, j'adore regarder les gens à leur insu, mais... Mais c'est ma fille! Une main? Oh, je te monte dessus. Oh mon dieu, il y a un monstre! Je suis le monstre de la table basse. Toi... Yeah ça oh, papa! Oh bah merde, elle vient de tuer son père. Oh non, je peux pas être bonne sœur. Et puis j'ai trop l'esprit pervers. Oh non, non, je peux pas. Pousse-toi. Regarde où tu marches, connasse. Oh les jeunes, oh là là. Oh pardon, j'ai... Non, reste. J'aime bien quand tu m'écrases. Ouais, mais je viens de manger McDo, donc... C'est pas grave. Comme je dis, plus c'est lourd, mieux c'est. Écrase-moi tant que tu veux. Je viens quand même d'écraser un mec en fauteuil roulant. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai l'habitude qu'on m'écrase. Comme avec la voiture. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est handicapé. J'ai envie de faire pipi. Ah. Tu veux que je te la tienne? Oh, bien sûr. Ok, j'arrive. Allez, vas-y, baisse mon fut. C'est pas grave, on verra mes petites fesses. Ok, depuis le temps que je voulais les voir. Bon allez, c'est parti. Je vais le baisser. Et hop. Ah, oh, putain, ça fait du bien. Oh. Ça va, Jukyung? T'es malade? J'ai mal au ventre. C'est parce que t'as tes règles, c'est ça? Non, je suis juste constipée. Bah, fais caca. Non, j'y arrive pas. C'est bouché, ça fait trop mal. J'aurais pas dû manger 5 bols de riz. T'as essayé de prendre du laxatif? Tu sais, du laxatif, c'est tellement magique. Et ça débouche toutes les tuyauteries. Ah ouais, comme dit Desktop Turbo, hein? Ouais, mais bouge pas les chiottes, toi. Hein? T'en fais pas, bébé. Je vais t'aider à déboucher ton fiac. Mais dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'est une super preuve d'amour. J'adore. Oh, mais vous êtes en couple? Oui, on sort ensemble. T'as vu mon amour, comment ils sont trop mignons? Oh, mais on est trop moches, nous, à côté. Interview, on veut tout savoir si vous avez fait une séance de pudding. Ça a bien claqué.
Et voilà, je te l'avais dit, je veux le faire aussi. Non, non, dis pas. Chut. Pouf, pouf. Je lui ai touché le pied. Oh, mais pourquoi il y a une vitre? J'arrive pas à sortir. Oh, mais pitié, mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Elle est où, la sortie? Allez, viens avec moi, on va rentrer. Oh, mais t'es complètement bourrée, ma pauvre. Arrête, tu peux bien, toi, c'est tout mais si, toi. Ah non, arrête, là, c'est à droite. Je sais, j'ai une meilleure idée. Allez, vas-y, grimpe sur mon dos. Ok, allez, ok. Allez, vas-y, grimpe. Oh, mais regarde, il y a des pièvres. J'adore les pièvres. Tu sais, me rappelle le hentai. Non, non, arrêtez, relâchez. C'est dégueulasse. Oh, désolé, taxi. Monsieur, elle est complètement con. Oh, c'est le taxi. Allez, on va rentrer à la maison. Il a rétréci un petit peu, le taxi. La voiture allez, de notre enfant. Eh, hey, madame, arrêtez. Eh, hey, Jukyong, c'est pas un taxi. Allez, vas-y, viens. Viens avec moi. Non, hop là, je vais te porter. Ce sera plus simple. Hey, n'en profite pas pour me toucher le fiac. Tourne la page, allez vite, je veux savoir la suite. Bisous. Bien sûr, mon amour. Eh, hey, y a des hôtels pour ça. Ah, dégage. Non, c'est rien. Rien du tout. Oh, mal à la tête. Oh mince, je l'ai assommé. Ça va? Ne vous arrêtez pas, hein. Je voulais juste voir, moi. Parce que j'ai jamais vu ça. Il est sérieux, lui, là? Ouais, bon, bah, je m'en vais. Salut. Au revoir. Il est chelou, lui, là. Ouais, juste un peu. Oh, fais attention, il y a tes lacets qui sont défaits. Pas grave, comme ça je me casse la gueule. Ah bah si, c'est grave, hein, parce que quand on se casse la gueule, bah ça fait mal. Tu connais bien, toi, t'es attiré par le sol. Raison de plus pour savoir qu'il faut s'attacher les lacets pour pas tomber. Voilà, je fais les lacets comme un enfant. Et c'est Franklin qui m'a appris à faire mes lacets. Oh, moi j'ai jamais appris. Et voilà, ils sont bien faits. Oh bah mince alors. Hé, ils se sont défaits. Démerde-toi. Non mais t'as cru que j'étais ta boniche ou quoi? Allez, viens là, toi, qu'on s'embrasse enfin, tout le monde attend. Et tiens, prends ça. Et regardez, c'est mon copain. Jukyong, commence pas à martyriser ton copain. C'est pas parce que moi je le fais avec ton père qu'il faut aussi faire pareil. Mais c'est pas le but d'une copine de faire chier son copain. N'en veux pas trop à Jukyong, elle a pris tout le mauvais caractère de son père. Ah mais oui, je vois bien ça. Tu dis que j'ai un mauvais caractère? Pas du tout, je rigole. Ah putain, il m'a pris pour une poubelle ce fada. T'as dit quoi? Je suis un fada? Ouais, t'es un fada de la fada attitude de tous les fadas du monde. Et vas-y, répète ça un peu. Hein? Ah, il fait moins le malin, hein? Oh, y a tout le monde derrière. Hein? Regardez, il se fait caca dessus là, hein? Je me casse. Salut! Hé, hey, moi, tu m'as oublié! Attends! Run. Ils sont tombés dans du caca, ça chlingue, oh, ça pouille. Au moins, en arrivant, on prendra une douche ensemble. Hein. Ah ouais, c'est une super idée, ça. Attends, t'es en train de faire du crochet, là? Ouais, j'aime bien. Tu veux pas plutôt qu'on le fasse tous les deux? C'est une activité super romantique, ça. Ah oui, viens. Alors, fais voir. Voilà, je me rapproche comme ça pour plus de contact. Et ensuite... Voilà, et... Oh mais... Vous êtes ensemble et vous me l'avez pas dit alors que je suis votre meilleure amie. Non mais vous avez pas honte de me cacher ce genre de choses? Je suis très blessée. T'es susceptible? Oui. Tu veux manger un burger après? Ah oui. Oh, ça va mieux d'un coup. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu mes petits Skies. Et maintenant tu peux voir si Suho et Sojun étaient en couple ou si Sojun et Jukyung étaient en couple. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui dis alors faites-le. Abonne-toi mon petit army.